Village des Étampes. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un autre papier design maison avec vos étampes. Prenez-vous une bonne tisane et faites ça tranquillement. C'est pas si long que ça apparaît. Dans le fond, j'accélère pour pas que ça prenne trop de votre temps, mais une feuille, là, je fais ça facilement en 15 minutes à peu près. Des fois moins. Alors aujourd'hui, je vous montre des choses un petit peu différentes. Si vous voulez en avoir plus, mes plus beaux papiers design maison sont dans mes cours en ligne « Créer vos papiers à motifs 1, 2 et 3 ». Donc, je vous montre comment passer d'une feuille blanche à un beau papier design en pas tant de minutes que ça. Ok? Alors, j'ai sorti « Abondance de beauté ». J'ai utilisé au complet le jeu à peu près. Et je veux vous faire penser que il est offert avec des beaux tinlits papillons. Vous pourriez insérer des papillons à l'intérieur de votre carte. Ça serait très joli. Alors, c'est hyper important d'utiliser le papier. Vous allez voir dans ma vidéo, il y a des fois même à ça, si mon œil et ma tête n'étaient pas bien placés parce que je ne voulais pas être devant la caméra, des fois même, je m'en allais croche. Donc, prenez vos cartons, puis fixez-le bien au début. Et après ça, fiez-vous à vos lignes en haut et en bas pour poser vos cartons qui vont vous permettre de masquer vos ombres. Alors, c'est vraiment un must. Ça m'aide beaucoup et ça aide beaucoup de monde également, ce papier, fameux papier quadrillé-là. N'oubliez pas, il est en pouce d'un côté. Et celle qui préfère les centimètres, ça c'est mon vieux bloc. Les nouveaux blocs sont recto-verso et il y a des centimètres de l'autre côté. Regarde ce que ça donne. J'ai fait des cartes très très simples. Donc, j'ai coupé ici 2 et 7, 8, 2 et 7, 8, 2 et 7, 8, à peu près. 2, 3 quarts, 2 et 7, 8. OK? Ensuite de ça, j'ai coupé à 5,5. Pour mon autre papier ici, j'étais arrivée avec 2 lisières vertes, là, donc ça peut bouger. J'aimais ça avoir les 4 couleurs ici, probablement que je les ai faites un petit peu plus larges. On va avoir 3 couleurs dans une, 3 couleurs dans l'autre. C'est aléatoire quand on ne calcule pas comme j'ai fait. OK, donc j'ai fait ça sur très très simple, sur du carton, une base murmure blanc, c'est ce que j'ai préféré. Avec le papier à paillettes, je trouve ça joli.
Alors, j'aime mieux ça personnellement que sur des fonds Mélodie de Mangue que j'ai passé avec le plioir subtil. Mais je sais qu'il y en a qui aiment ça, donc je me suis efforcée d'en faire deux. Et ce qui est le fun aussi, c'est que dans ce jeu d'étampes-là, on a notre amitié et la belle somme. Et à l'intérieur, on met 2 millions de petites choses. Je trouve ça super cute. Alors, j'espère que ça vous a inspiré, puis vous allez pouvoir vous mettre à faire votre papier design maison parce que c'est vraiment relaxant, puis c'est très valorisant faire ça. Alors, je vous souhaite une super journée créative.